O ia, koutou ni tahi a kauhaka wa tātou ni matai nā tēnua ana nei tō tātou awe iei te nipo pou I me tauhi ka iti a tātou e a pumai tātou I tō tātou tau te animara. Ludo, me tātou mohani te tā, ai tei a pautu te anho ma ima a tei amiriti, tei amiriti. No kei ka tātou kauko mai nei, kauho ni tātou pautu I te awe ia. Sir Ludo, bonjour, comment vas-tu? Kawanui, Teo Konui, ça va très bien, merci Edouard, merci Taïa. Alors, ça ces derniers bien. 15 jours, là, depuis la dernière émission? Eh bien, de l'activité, et puis sinon une première tournée dans les vallées, pour se rapprocher un petit peu de Akapa et Hatiheu. Voilà, c'était sympa d'aller un petit peu à la rencontre des gens, d'apprendre à castrer des petits cochons, de délivrer des vermifuges pour les chevaux. Et bah, j'espère qu'on va poursuivre toutes les 3 semaines à mois peut-être. Et toi, t'es tu as pas retourné pour y tout à tout tenté. Il y a non non, il y a un kayapu, il y a une hopu. Et quand tu y es, tu y es mal tout ton cas. Avai, notre haïka dit t'es tu ovareoti, notre te haïti t'es tu puaka. Oh ya, makaui at mea e koutu I a pautu te tō uti te atapu e tō tēnei tau kaka awai no te hanai tēnei tau hana e koho a ia ia te mataina. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter à nos auditeurs ce matin? Alors, on va continuer notre exploration des merveilles de la ruche et notamment des produits extraordinaires qu'elles produisent et qu'on peut utiliser pour notre santé. Et ce matin, ça va être la gelée royale. Et on va aussi un tout petit peu parler de l'apilernil, qui est un succès d'année, un remplacement possible de gelée royale. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire, mais ils ont été en train de se faire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gelée royale qui fait fantasmer beaucoup de gens? Et parfois avec raison quand même. La gelée royale, c'est le lait des abeilles, une espèce de lait extraordinaire. Oui, tenez mes mots, la gelée royale, et mes mots, taïo, comme mes mots, oumhi, koui, et nana, et toi, et toi, et toi, et toi, a tika a e nata tua I te ha tene me mau, pe oho I tene me mau e vaiu tene me mau, e vaiu tātai o kono te, nā te tau mea mani, nā te tau te kau e mani. Alors, ce sont les jeunes abeilles entre le 4e et le 12e jour de leur vie qui produisent cette substance extraordinaire avec des glandes qu'elles ont dans la tête et sous la gorge. E tēnei me mau pēo I nei gelée royale, nā tēnei tau tikau e māne ni hānau hou e mākau o tō te hā, te atu te unho umā ua ātō ātō pū e ia. Nā tēnei tau tikau e māne ni e kānea mai tēnei me mau e pēo I a gelée royale. Me o tō mai o tō ātō, me o kō tō ātō wōho e pēo I un pōko. A tīma tō ātō kou vai o tī kāki, e nā te a me mau, ma e ai kō ātō, kō tēnei tau tikau e māne. Alors même si c'est blanc nacré et que ça ressemble à de la cervelle, il ne faut pas croire que nous aussi on a la tête pleine de gelée royale, hein, on a bien un cerveau, il ne faut pas confondre. Eh oui, tenez mes mots, il y a quand il y a un état de tout le monde, il y a un état de tout le monde. Me he vaiu to iha katu mea ma I tā mea ati ia. Mea mohi tātou e mākau e tō tātou o o ati ia ho I tō tō tātou poko me tēnei me mau tātou ko gelée royale. Alors, cette substance, c'est l'aliment de toutes les larves de la ruche pendant leurs 3 premiers jours. Tēnei me mau gelée royale, o ia te kai kai a te tau... te tau māma ia tēnei tau tikau e mānini, no ea, e nā te tikau e mānini, nā te ate pēu e kānea tēnei tau māma I. O ine kei kei a tēnei tau māma I a hānau mai mi o tō te ate pēu, tēnei me mau jolie royale, e ata atu kei kai. Et combien de jours déjà, à partir de quel jour? 3 jours à partir du moment où l'œuf est clos, donc la reine pond des œufs,
Pendant 3 jours, l'œuf reste un œuf, et puis il est clos, et les larves qui naissent, qui sortent de l'œuf, vont manger de la gelée royale pendant 3 jours. Et à théâtre, ni il y a tout en tête, mais il y a un homme qui a été utilisé dans ma main, et il y a pour être ni ma main, il y a un homme qui a été utilisé dans le kyo mi auto. Tene tau kio kio e kai atu I tene I me mau e jole royal e tau a te oa ia o e te hana o ia na mai o atu e kai atu I te ame jole rare e tau a te oa ia. Donc la quasi-totalité des larves vont manger ensuite du miel et du pollen, la bouillie larvaire, mais seules quelques larves vont continuer à manger de la gelée royale et c'est ce qui vont transformer ces larves en reines. E maha pe ho te ia, ia pauna a te ae tau a I miti kai ia tēnei tau I oi oi o tō tēnei whai, oi o pe o tātou, o tō tēnei tiamanini. A tika a, e kai maha pe ho tēnei tau oi te mea te manini tikau, e a te ihoa, hake ia atum tēnei manini tikau, e te tau me mau ke atu. A tika a, e nā mti tahi tau tika o e mānini tēnei tau I oi o, e kai ananu ato I tēnei jole royal, e oilini tēnei tau I oi o, I o mai ato mati tahi a, e hata pei I o. Donc, la reine ne mange que de la jole royale toute sa vie. O te hata pei I o a, e kai ananu I ai tēnei mōmona o tēnei me mau a te tika o e mānini kānini pe o I ane jole royal, e kai ananu I ai tei tō yamate I. Donc pour voir l'effet extraordinaire de la gelée royale, il suffit de comparer une reine à une ouvrière. Donc une ouvrière va naître en 21 jours et va vivre un mois et demi, tandis qu'une reine va naître en 16 jours, tellement elle est boostée, et va vivre 4 à 6 ans. E te oa ia ho ia tupuhu e ia o te tikau e mānini pe au ia hei o ia. E te kau mātahi a, 21 jour, la durée de vie, e te kau mātahi a te oa ia o te tikau e mānini. Non, la gestation, en fait, on va dire. E te pepena e ia to te kau mātahi a te oa, no te oa ia to a tupuhu e ia, sa dure combien? La durée de vie. Ah, et la durée de vie, c'est 45 jours, un mois et demi. Ha, on ho ma ima a te oa I o te pro e I o te ni tau te kau e mani. No te a te pei ua, on ho ma ono a to ia oa ia no te pepina ia ia ia, e to ia pro e ia, te he ha e ono e hua te oa ia. O ia te ho I te hakatu o te pro e ia o te ha te pei ua te tau te kau e mani ni o toto a to ti. Donc du coup, la gelée royale, ça nous montre, ça nous démontre, on rentre un petit peu dans la science un petit peu plus dure, si je puis me permettre, hein, mais c'est vraiment passionnant. Ça, c'est une excellente démonstration de ce que c'est que l'épigénétique. Et c'est ni mémo, il est gelée royale, et mémo, t'es à haqai, il est ni mémo, à te paye, mais à... I a tātou e I te a e hate tae tae e hate hakatu o tēnei me mau e jolei royal. Qu'est-ce que ça veut dire L'épigénétique. Alors, dans nos cellules, on a un noyau qui contient nos gènes, l'information qui code pour la fabrication de nos protéines. C'est un petit peu le mode d'emploi de comment refaire un organisme à l'identique. E te ni me maho I, e nā ma wā te kau ko te ni me ho I a, e tō te ti atu I o te tau te kau te aivana a. E tēnei mea epigenetika, I a te mea mau mea haka I te hui, te hakatu I te kau e mānini, pe hati kānea ia ia ia, e hati hakatu I te kānea ia ia ia. Donc en fait, les chercheurs ont fini par se rendre compte que seulement 3% des gènes servent de mode d'emploi pour fabriquer nos protéines. C'est ça le code génétique. 3% seulement. 3% seulement. E tōi uko te hanere anai ho te tau me mau ho I e no te kānea I e tō tātou hakatu po I a no te haka I te haho I tātou. E 97% des gènes restants servent à moduler l'expression de ces 3%, c'est-à-dire à faire en sorte que ces gènes s'expriment différemment selon l'environnement.
te toika te a iwa un ho umahi tu uko te hanere. Nā ia e haa mita ia e uko te ni e to u e uko te hanere ho i tau me mau ho ino te tio e te hakatua tō tātou po ia tō tātou nino. E nā te a iwa un ho umahi tu uko te hanere. Nā ia e haa mita ia tu haka ua te ahakatu. Et donc, par exemple, on sait que les émotions que l'on vit influencent sur l'expression de nos gènes, ou alors l'environnement, le stress, la nourriture, le fait d'avoir des câlins ou pas, enfin, tout ça fait que nos gènes s'expriment différemment selon ce qu'on vit. Et... Nā te atau hakatuho i e haka i te mai, te mea hau i e hakatua tō tātou pō e ia. E ha mea ha amtau hae tātou, e ha mea koa koa tātou, ia hau i te tau hakatu e koa kamai e tātou. Donc là, par exemple, un petit œuf femelle d'abeille va se transformer en une simple ouvrière qui vit très peu de temps ou en une reine qui sera la maman de toute la colonie pendant 6 ans, simplement par une différence de nourriture pendant sa jeunesse. E haho i te me mau tā te kau e māne ni kai, e tuku ia i te poho e ia hakatu o anō ia, a te iho a te kaikai a te haa te pei ue i te tātou i a, tuku ia ti tahi poho e ia o atu no ia, no te mea o ia te kūi o ia te tumu o tēne o ti te hanahanau ia o te o ti tahi pūpā te kau e māne ni o tō ti tahi tīhā, na ia o ia te tumu o te poho o te haa te pei. Donc, ce sont les Chinois les premiers qui ont découvert que la gelée royale avait des capacités extraordinaires pour prendre soin de notre santé. Te ame moho i gelée royale, mea nuyuko 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 toi hakatu e haamita i tato. Donc, ils ont découvert que c'était un boostant extraordinaire pour l'organisme et aussi un boostant de l'activité sexuelle. Donc, ils ont, en fait, là, si on veut faire une synthèse, on peut dire que c'est un adaptogène. Ça aide l'organisme à s'adapter aux variations de l'environnement, de la vie. Ça aide l'organisme à mieux vivre ce qui se passe. Voilà. E tēnei me mau i Jolie Royale, i hau i te me mau peo i anei hoi, me haa mita ia i a tātou o tōtou tātou pō e ia, me haa taita i tō tātou nino mā oto, me haa ii, me haa mita ia i tō tātou hao nei pōko, i a tō tātou kaituto i a te atau hakātu. Me haa ko e te ame mau e haa me tau i kō tātou, haa ii i te haa koa koa, i a te hakatu te ame mau jolie roya. Donc c'est devenu très à la mode dans les années 70 dans le monde occidental. Comme notamment auprès des stars pour faire des cures de jouvence pour rajeunir. Ua tēnei tau poi hoi e te tātou e ake nei mātou e tēle. Ma akau ātou te mea, ia kai ātou i te ame mau jule royal, ua hou haka ua tō ātou nino, ua hou haka ua tō ātou po e ia, ua kai ia ātou te ātou haka, te ame mau jule royal. Donc bien sûr, il y a un petit peu de fantasme quand même derrière, hein. Ce n'est pas le produit magique qui nous permet de faire disparaître 30 ans d'un coup, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu vrai dedans. Oui, à tato et moi, tu m'as dit que tu m'as dit royal, quand tu as dit que 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 t
A e a iti va fa te tau ki ra ua i te atu te mea e me te ia ka uto tatu po i am te a me te a me mau jere royal me a e te kuma ia tatu po i a ho no ka ua to un ho ka ua te mea to un ho e hua ho ka ua mai tatu wa e Donc, on peut dire que c'est. On avait déjà vu que le pollen aider les organismes fatigués à se retaper, ben là c'est le cran encore au-dessus. Pour les organismes très fatigués, avec des maladies, des longues maladies, c'est un boostant extraordinaire pour aider à passer des caps difficiles. E ua te kau tātou i te au tau ai pau atu nei tēnei tau mea o i e mōmona o te pua e pau i e pōlēn te a tau mōmona o te pua o i ati te me mau mea haa mita i tō tātou po i a mau tō tātou nino ati ka ate nimi mau jure roa i are nai e ukatu haka ua te mita i e o i ati te tau koka i a tātou i pe au te tau po i e waka te a tau hakatu paeha he muhai te kiripa te a tau hakatu no te tau po i pa na mutua pe o iaho i mea tete te a mea i a kai hoi te a me mojole royal me te ka umai te nino i a ka ua uoho ka ua i te tau hana ma waho te a o ia te hakatu te a me mojole royal Donc, il y a une histoire un petit peu connue, c'est autour du pape Pie XII. Je crois que c'est dans les années 70 ou 80, ou je ne sais plus. Où. Le pape Pie XII était en très très mauvaise santé. Et les évêques se sont rapprochés d'un docteur célèbre qui s'occupait des stars, le docteur Galeazzi, et ils lui ont demandé de s'occuper de lui. E ti te a wako tātou te te kao tēnei vikari o tātou P12, pio ono uma o ai, ua he moho i ti te mate oko, a ti ka a e o kiki e te ho i tēnei tau, toi a tau pātoko mātu kau koia, tēnei tau epiko po i mātu kau koia, ua umhi tēnei tau epiko po ti te hakatu, ape o tēnei tau te ka o nei kalie, komei sape? Galeazzi. Kaleadi. Pe au ai a te mea, pe au a atu te mea, ua whai, tautaki atu i tēnei tau te, no te mai haikai te tō tātou vikario. Ma o tō tēnei hakatu, mita i tō tātou vikari o tēnei me mau, nā te pāni ni kau e pa oi jule royal, oi ataya te me mau i tuku i anai. Donc le fameux docteur est arrivé avec une glacière, s'est enfermé avec le pape pendant 15 jours, a demandé à ce qu'on ne le dérange pas. Et 15 jours après, le pape est sorti debout, alors qu'il était alité, un peu pâle, mais en bien meilleure forme, que quand le docteur est arrivé. E te tia mai o tēnei tau te i o tō tātou vikārio, wāpe tēnei tau te i te tau enana mātu kau kō tō tātou vikārio, te mea hoi, a vai puia āua puia tō pā oto, o tō te pā oto hi amoe o te vikārio. O tō te au ai au te a onohu mai ma a, te tū ia mai o tō tātou vikārio, o meitai ia, o meitai hoi mea anoto hoi e te ui oe, te matauhoe mea hautea, a tika a e wa ma o wa tāhau meitai. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais qui a aussi ses limites. D'une part parce que c'est compliqué à produire et très cher, et d'autre part parce que c'est pas non plus la panacée qui guérit tout. A tika a e o ti e avatahi tātou i te ahakatu me mau peo i a Jolie Royale. Me hana nui ha ako aka mai no te mea e tia ki o tō te tiha mānini e hate awa e mea ia mai e pe kānea ia mai e tēnei tau me mau. A tika a e peo i aho e me mau ho konui i a tō i ana e me mau ho konui. Par exemple, comme c'est un facteur de croissance, ça aide les cellules à mieux se développer, se multiplier. Ça va aider certains cancers à pousser plus vite. Les cancers hormonodépendants, les cancers qui touchent certaines glandes qui produisent des hormones. Donc, autant la gelée royale peut guérir certains cancers, autant ça va activer d'autres. Oui, et na me te me ava me a hei te ave mon jolie royal et na me te ava a e hei no te pui hui pe oia ni hoi mo te ama te he ke ma te concert
et nous avons mis à amitié de concert, nous avons mis à tout à quoi il y a des concerts. Oui, à chaque tour des nuits, mon joli royal. Mais à quoi il y a des concerts. Voilà, donc maintenant qu'on a dressé le tableau, on va voir comment ça se produit. Voilà, oui, on a encore un petit peu de temps. Hein. Donc, comment on produit la gelée royale là? En fait, l'apiculteur va faire un élevage de rennes. Il va pousser la colonie à faire beaucoup de rennes. Et avant que les larves ont mangé toute cette nourriture magique, les larves vont être enlevées pour récupérer la gelée, être filtrées et conservé au frais. Donc, comment ça se passe dans la ruche? La ruche est composée de rayons dans lesquels la reine va pondre des œufs. Et les abeilles vont mettre un petit fond gelée royale pour nourrir tous les œufs, enfin toutes les larves de la ruche. Mais si elle veut faire des rennes, elle va agrandir quelques cellules pour faire une longue loge verticale pour que la reine puisse se développer dans un espace plus grand. Et tout l'espace de la cellule sera gavé de gelée royale avant que la cellule extérieure sera construite. Et note hakai te tautiko emani ni te ne tau yo yo no tako komai te ko emani ni et ku ato e iti no te ne jole royal to te ne te ni pa oto va ia yo ia e no te at pe wa e wa ite ato to me e ko ho ato ite at pe e na ato kana ti tai pa oto wa ina ka o e no te at pe u me a ya hakai ato ite ai o yo hakai atu hapi atu ite a pautum te a memo joli royal no te a kua kumaiti ni hatu pei. Donc, l'apiculteur qui veut produire beaucoup de gelée royale va feinter les abeilles en enlevant la reine de la ruche, le principe c'est ça, hein, et en mettant des cellules verticales dans lesquelles il aura prélevé une petite larve d'un ou deux jours dans d'autres ruches et déposer au fond de ces alvéoles verticales pour faire croire que ce sont de futures reines. Mais il y a une nuit à venir de cas. Qu'est-ce qui va prélever? C'est l'apiculteur? C'est l'apiculteur avec un pinceau très très petit et des lunettes, et c'est très très minutieux. Donc au lieu de faire 8 ou 10 cellules de rennes quand la colonie a perdu sa reine, l'apiculteur va demander aux abeilles d'en faire 40, 50, 60 et de tourner, de ramener sans cesse du couvain pour s'occuper de ses larves, de ramener du pollen pour avoir l'énergie et la matière première pour fabriquer ce lait extraordinaire. Donc c'est un énorme travail pour l'apiculteur et pour les abeilles. Tenei wa ha 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 ha
e kane atu i te hatepiku anu. Tēnei, i haapi iho i te atau, te atau, te atau pāoto am te a, te a me mau. A tei atau a kohi te a, te a Jolie Royale mi oto te a me mau, no te tapu ke. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un produit qui est très précieux et très cher, parce que ça demande énormément de travail. No ia te a me mau i e Jolie Royale, me hananui hana ia ia. Me hoko nui e no te mea e hana ka o e hana ia te tau e te ina naha apa o te kau e maani ni ati oham tau te kau e maani me anuita atu hana e hana. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu malins. Là, je pense à l'Europe de l'Est, vers la Roumanie, où ils connaissent très bien les abeilles, et où ils ont développé un remplaçant de la gelée royale qui est plus facile à faire et qui a quasiment les mêmes capacités. Mea nui, whae, nga mti tei henua i tēnei, wai te ato i tēnei, pehea ho i te ka niana mai tēnei Jolie Royale, ta eka mehe Jolie Royale, mea e ui ate ti ato hui ia. Wai te ato pehea te a ti vavaho i tēnei te kau e maanini, no te ka niana mai tēnei me mau ati ia. Donc plutôt que de faire ce très long travail compliqué, très précis, très précieux pour faire la gelée royale, ces apiculteurs prélèvent les larves de mâles pour les écraser et en faire un jus qu'on appelle l'apilarnil. Wai te tēnei tau aiwana au tēnei me mau e te kau e mānini. Tēnei e koi atou tēnei tau i oi o tō, a eho i oi o koiwi, tōna mea koiwi i o atou mea te kau e mānini. Tēnei tau tō, tēnei tau tō e koi atou. Tēnei e nā atou tukituki tēnei mea haakoakoa. Ia pauta a te a, o oi a tō mea hako aka mai te a vai, pe au ia hui e mea e, kamo sa sapele? Apilarnil. Apilarnil, oi atu mea moko aka mai te a vai e, apilarnil. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple à préparer. Par contre, il faut être précis sur l'âge des larves, qu'elles soient pas trop jeunes ni trop vieilles, donc c'est entre 6 et 7e jour de leur vie. E kui atu tēnei tau i oi o e, e o tō te mi te ono ātō pōe ia te atu i te wahu a mo i aho i kui atu te mea i ko oua ātō a ka atu mea hōoko a eka naha a tika a e tio he mati o ka pēhea te hana o tēnei tau mea tēnei tau i oi o tōa e kui a i o tō te ono a te atu i te wahu a ma mo i e topa mā hau pē mo i mā mua mā. Donc, la particularité de ce jus de larve, c'est qu'il contient beaucoup de cellules souches, de cellules qui peuvent se multiplier dans n'importe quel autre type de cellule, et c'est ce qui en fait ce potentiel adaptogène. Mi oto mai hoi tēnei vai ko aka mai ni, mi oto tēnei o oi ia i tēnei tau i oi o kohi ia nei. Me mau tai oko no te mea, mi oto mai o te a me mau, me anui te me mau e me ta i mau to e ko kai te ena i a kai. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de la question. Merci encore une fois Ludo Avec grand plaisir. et merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés ce matin et comme Tony Tato Poto.